Si est-il l'un des événements les plus importants à Hollywood? Dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 mars 2022 a eu lieu la 94e édition des Oscars. Avant de rentrer dans la salle avec pour seul objectif de remporter une statuette, un tout autre jeu se joue à l'extérieur sur le tapis rouge. En effet, le passage devant les photographes est l'occasion de briller avec une tenue qui marquera les esprits. Cette nouvelle édition a été à la hauteur de l'événement puisque les stars ont sorti le grand jeu pour être irrésistibles. Si est-il notamment le cas de Penélope Cruz. Elle a choisi un classique de la garde-robe féminin, la petite robe noire. Seule et même, elle n'était pas classique puisqu'elle scintillait. Même choix pour Vanessa Hudgens. Cette année, si est-il le rose qui semble être la couleur à la mode. Elles sont plusieurs à avoir fait ce choix de couleur avec des robes toutes plus ravissantes les unes que les autres. Zoé Kravitz, l'égérie d'Yves Saint Laurent, Serena Williams, la tennisman, la comédienne Lily James ou encore Mila Kunis, elles étaient toutes avec des tenues roses. Une couleur douce et qui est facile à porter. Plus compliquée par contre, la tenue rouge vive. Mais si est-il un choix qui a pourtant été fait par de nombreuses comédiennes comme Rosie Perez, Amy Forsyth ou encore Ariane DeBose. Cette dernière avait même choisi une combinaison robe longue rouge étincelante. Nicole Kidman a fait sensation avec sa robe satinée enfin, une vraie cérémonie des Oscars ne le serait pas sans beaucoup de paillettes. Jessica Chastain a fait ce choix avec une robe 100% pailletée qui lui allait à la perfection. Zendaya avait opté pour une jupe longue à paillettes avec un haut plus classique. Autre robe très remarquée, celle de Nicole Kidman. Satinée, elle était bleue et grise. Loading Widget.